commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, on va faire la petite récap un petit peu crypto-monnaie et aussi parler de Actio pour ce mardi 17 octobre 2023. Alors, déjà, on regarde un petit peu pour ce qui est tout simplement de la crypto. Le BTC est un petit peu haussier, surtout hier, il est monté à 30 000 après une bévue. Il y a eu une petite erreur au niveau d'un média crypto qui a annoncé que, il y a un ETF BTC qui avait été approuvé et ce n'était pas le cas. Donc il est même monté à 30 000 assez rapidement. Mais en tout cas, ça monte légèrement. Pour ce qui est du XRP, ça bouge pas, 0,49. Le Stellar, il redescend un petit peu. Hedera, pareil, ils suivent hein, de toute façon. Kant, pareil, il est à 85, 86. Voilà, de toute façon, pour ma part, je pense personnellement que on va aller petit à petit sur un gros dump pour la fin d'année. Il y aura des opportunités d'achat. Je pense que pour l'instant, c'est intéressant d'essayer de garder un petit peu d'argent, de liquidité. Parce que ça sera la dernière occasion, à mon avis, avant le bull run de 2024, de pouvoir tout simplement eh bien, continuer à acheter des crypto-monnaies et se renflouer avant le bull run de l'année prochaine. Voilà, bon, certaines personnes pensent que c'est avant. Personnellement, je pense que ça ne sera pas avant au moins le deuxième trimestre 2024. Je pense que c'est là qu'on commencera à voir tout simplement le bull run. On va parler aujourd'hui, je vais commencer par Actio, parler tout simplement d'Actio assez rapidement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, juste vous dire que un petit peu les nouveautés. Alors la première chose, c'est au niveau des ambassadeurs, pour les personnes qui sont tout simplement ambassadeurs. Je cherche statut ambassadeur. Voilà. Donc là, il y a quelques petites nouveautés au niveau des rendements. Donc vous voyez, si vous êtes ambassadeur sur le Cloud Livret Mining, vous pouvez gagner 17% par an, ce qui est vraiment très intéressant. Si vous mettez votre argent en épargne, vous pouvez aller à 6,5%. Les revenus affiliés, apparemment c'est 10%. Les frais de transaction crypto, 30% de moins. Et si vous achetez la carte World, qui est vraiment très intéressante, vous ne la payez que 105 euros au lieu de 150, avec pas mal d'avantages. Voilà, donc déjà c'est quand même assez intéressant d'être tout simplement eh bien, ambassadeur. Maintenant, je vous rappelle que pour être ambassadeur, il faut tout simplement staker pendant au moins un an des jetons Actio. Voilà, ensuite, ce qu'on peut aller voir, c'est les nouveautés sur le livret Flex. Alors comme vous avez vu, c'est 6,5, c'est quand même assez intéressant par rapport à une banque classique ou même par rapport à certains investissements. Je vous rappelle que Actio a maintenant été enregistré au niveau PSAN, donc ils sont enregistrés auprès de l'AMF. L'avantage sur cette épargne, c'est que ce n'est pas bloqué. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas obligé c'est tout simplement sur votre compte et vous avez un rendement qui est journalier. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir un intérêt journalier au lieu d'avoir un intérêt comme dans les banques classiques qui est par an. Voilà, les retraits sont n'importe quand, n'importe quel jour. Voilà. Ensuite, celui-là qui est vraiment hyper intéressant. Mais là, votre argent est bloqué pendant 2 ans. C'est le cloud mining où vous investissez tout simplement tout simplement sur le mining du BTC. Et là, vous voyez, les taux sont à 17%. Voilà. Alors, personnellement, je ne suis pas dessus. Par contre, après le prochain bull run, je me positionnerai, je pense, dessus pour avoir ses intérêts. Voilà. Donc, vraiment. Pour les personnes qui veulent se diversifier, cette banque, cette fintech, c'est quand même hyper intéressant. Bien sûr, il faut toujours
pas mettre tout son argent dedans, mais en tout cas se diversifier et avoir des intérêts pour ma part. Vraiment, Actio, c'est vraiment la banque du futur. Enfin, du futur, c'est la banque de pour très bientôt. Toutes ces banques vont de toute façon être obligées de faire la même chose, de suivre. Et voilà. Donc, une dernière chose, par contre, où là, je suis un peu indécis, il y a une nouvelle fonctionnalité depuis quelques temps où vous pouvez tout simplement leur envoyer de l'USDT, c'est-à-dire de la crypto, enfin stablecoin USDT que vous pouvez leur envoyer, mais il faut avoir leur montrer tout simplement des preuves que de votre salaire, soit de votre salaire, soit en tout cas, comme quoi vous avez des revenus, des sources de revenus. Il faudra leur envoyer un document, mais ensuite vous pouvez leur envoyer de l'USDT, aucun problème. La question que je me pose, c'est si je voulais par exemple leur envoyer après le bull run, leur envoyer de l'USDT pour aller justement sur le cloud mining. La question que je me pose, est-ce que cette USDT va être converti en euros pour ensuite être investi sur le cloud mining, ou si ils vont prendre l'USDT et ils vont par exemple le mettre en BTC et l'envoyer sur le cloud mining. Donc ça, j'ai écrit en fait aujourd'hui pour savoir si c'est dans quelle fonctionnalité ils font, s'ils manipulent, s'il y a une conversion en fiat ou pas, parce que c'est pas la même chose au niveau des impôts. S'ils font une conversion, bah vous prenez 30% dans la tranche. Et s'il n'y a pas de conversion, logiquement, bah là vous êtes bien, et c'est hyper intéressant après le bull run de se positionner dessus. Donc ça, je ne sais pas. S'il y a des gens qui le savent en commentaire, n'hésitez pas à le mettre. En tout cas, j'attends la réponse. Voilà pour Actio. On va passer maintenant à une petite nouvelle sur le XRP. Voilà. Donc, vous avez Roblox qui tout simplement intègre XRP comme méthode de paiement. Je vous avais déjà, à chaque fois, je vous envoie des petits posts. Vous voyez, hier, il y avait Ferrari où vous pouviez acheter tout simplement en XRP. Maintenant, vous avez Roblox qui intègre XRP comme méthode de paiement. Je vous rappelle, Roblox, c'est tout simplement une grosse plateforme de jeux en ligne avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels qui acceptent désormais XRP en tant que mode de paiement, selon une annonce du 17 octobre de BitPay sur Twitter. Voilà. Alors, par l'intermédiaire de, ils font ça, tout simplement, c'est pris en charge par Exola, qui gère les paiements en jeu dans Roblox. Et BitPay agira en tant que partenaire responsable de la connexion transparente avec les portefeuilles cryptographiques. Voilà. Alors, personnellement, j'essayerai de toute façon, parce que je joue à un jeu où on peut tout simplement utiliser BitPay pour payer, et je vais voir si on peut tout simplement eh bien, payer en XRP. Je vais essayer ça la prochaine fois. Voilà, donc ça, c'est toujours positif pour le XRP. Maintenant, on va passer juste vous montrer. J'avais fait une vidéo récemment pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnait l'AMM. Je laisserai le lien, vous avez tout simplement sur le site XRP Ledger, en traduisant, vous avez toute l'explication, ce que c'est qu'un AMM, comment ça fonctionne, les jetons, voilà, et les frais d'arbitrage, etc., les slots d'enchères. Vous pouvez tout simplement bien étudier et vous allez comprendre. La seule chose que je ne comprends pas, je vais vous montrer, et là je pense que c'est moi qui ai une mauvaise compréhension des choses. Voilà, là je suis allé voir pour les validateurs pour justement le vote de l'AMM, et j'ai traduit en français, et je ne comprends pas si il y a eu 34 votes de fait, parce que là on voit 27 sur 34 votes, et oui, 3, non, 31. Et en fait, je me pose la question, si
Tout simplement, c'est les validateurs. Il y a eu trois validateurs seulement qui ont voté, ou il y a eu trois validateurs qui ont dit oui, et il y a eu 31 validateurs qui ont tout simplement dit non. Mais je pense personnellement que les 31 qu'on voit là, je pense que c'est les 31 qui n'ont pas voté. Je le vois plus comme ça. Mais là, c'est marqué, quand on fait la traduction, qu'il y a eu 31 non et oui 3. Donc dans ces cas-là, je pense que l'AMM ne va pas sortir si on le comprend comme ça. Alors voilà, si vous avez des personnes dans le commentaire qui le savent, n'hésitez pas à le mettre. Parce que personnellement, j'ai un petit doute s'il y a eu 3 votes oui et 31 votes non, ou s'il y a eu pour l'instant que 3 personnes qui ont voté et 31 en attente. Je pense, j'opterais plutôt pour la deuxième solution, mais j'en suis pas certain. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de nouvelles, il y a d'autres nouvelles qui tout simplement font la une de l'actualité, mais il se passe des choses en coulisses dans la crypto-monnaie. C'est bien sûr caché par d'autres actualités qui sont un petit peu plus morbides qu'on voit actuellement. Mais en tout cas, depuis que vous avez la guerre la guerre, en tout cas, Israël-Palestine, on peut voir, en tout cas, moi, mon portefeuille boursier, il explose. Et je pense qu'il y a un rapport et que ce n'est pas tout simplement, c'est pas une opération du Saint-Esprit. Ça a commencé, la guerre a commencé le samedi, le vendredi, non, le samedi, si je me souviens bien. Et le vendredi, il y a eu énormément d'achats, d'actions dans l'énergie, dans le pétrole, dans l'armement. Et depuis, c'était vraiment bien descendu. Et là, depuis, ça explose. Voilà, et eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!